la piste demi-finale Poulpe. On n'est pas trop mal sur la grille. Avec les 80 en 18, Simon Communal, le second million, Hugo, le Ligue 6 pour ce moment. Attention, avec Beno, avec Beno, deuxième position maintenant, Maxime Calito, après le moment sur ce moment, qui vont les ici, mais c'est toujours Simon Communal pour le Clément Réunion qui est en train de poste. Je vais m'attarder ici à la 4ème place. En tout cas, pour tout le Clément, on passe ici, ainsi que pour Maxime Calito, 78 et 41, donc Hugo. Aïe aïe aïe, j'ai été coupé en arrêt ici de prendre un départ canon. Malheureusement, il a tapé dans la grille. Non, il est devant là. J'ai donc fait une erreur. Il y a eu du changement, c'est Mathieu Jacquier qui est aux avant-postes. Mathieu Jacquier pour le club de Milan, en pole position dans cette grande finale des écoliers. Mathieu Jacquier, il y a, il semble pas y avoir tout dit pour lui. Alors il y a 2-0-2 dans la finale. Ils sont en deuxième et troisième position. Raphaël Montes, il est en deuxième position. Et Diego Perrin en troisième position, alors que devient l'Orcadini. L'Orcadini, pardon, pour le club de jeu. Oui, aïe, aïe, le chute, malheureusement, départ. Je demande, il y a vous. Milan, c'est Maxime Milan qui prend le meilleur départ. C'est Fabien, Maxime Milan pour le club de jeu. Il y a Lucien Andréni, voilà alors actuellement, toujours Maxime Milan pour les deux noms. Il y a le changement, c'est Lili en bout pour le Clément d'Ardigny, John Amour et Lucien Andréni. Attention, attention malheureusement, une chute, Lili en bout et John Amour, Andréni pour la troisième position. Attention, mon meilleur nom, cinquième position et le dernier.